J'ai envie de jouer. En fait, il faut qu'on joue flexi pour comprendre un petit peu comment on joue les champions. Marius. First Augment, j'ai quoi? J'ai des tomes. Marius, ça casse très vite les joueurs de reroll. Ça, c'est bien. Je trouve pas de bonne compo actuelle. Bah. Je sais pas quoi te dire. Hein. Les verticales sont fortes. J'ai du Zor et Voltarius en X-League, ils l'ont prouvé. Et il est tout seul. Donc c'est pour ça que maintenant je joue Urf. Donc peut-être ça peut être un bon entraînement pour toi. Essaye de partir sur Urf. Si c'est une Sindler ou une Gold, bon, sauf s'il y a une Augment qui est mille fois mieux à côté, hein, mais prends le tome. Le tome va te donner une direction. Puis voilà. Assez simple. Hein. Sauf si t'as déjà une direction grâce à ce que les premiers rounds te donnent. Et auquel cas, il faut pas que tu utilises le tome parce que sinon ça peut changer un petit peu tes plans. Hein. Là, typiquement, on a du Xtal, la glace. Ça peut arriver très vite. Hein. Là, tu vois, par exemple, le tome va pas être intéressant. C'est pas comme si genre j'avais plein de paires, je sais pas trop vers quoi aller. Là, j'ai déjà un Demacia Xtal. Pardon, mais c'est un bastion Xtal qui est clair et net. Milou ? Milou ! Milou, Oriana, Ilao également. Ixtal ! Ixtal ! Mais je suis sûr que nos amis Anka ne disaient même pas Ixtal. Je pense qu'ils avaient d'autres prononciations, donc ils vous auraient dit un truc du style. Bon les gars, hey, vous savez pas parler d'autres langues, dites Ixtal, cassez pas les couilles. Il y a exactement ça, à mon avis. Gargoyle Arc, c'est pas mal. Hein. Et bon, j'ai Bastion. Bon, c'est jamais ça, c'est jamais ça. Ça, il faut savoir est-ce que je vais être assez fort. Hein. Parce qu'on pourrait faire ça du coup. Putain, c'est vrai que c'est fort ça aussi. Ça va pas avec mon spot. Ah, ça c'est mieux par contre. Il n'y a pas de reroll qui existe, non? Bon, je push une Poppy. Ok. Comment tu prononces Xaokan? Xaokan? Manière assez naïve. Xaokan. Il y a un mec hier qui a joué 4 Ixtal Ice avec Slayer et des Night Harvester. Chaque fois qu'un pilier du... Oh, ah ouais, d'accord. C'est vrai que ça combine bien ensemble. Parce que la première fois qu'un champion tombe en dessous de 30% de points de vie, il se cache dans une glace protectrice, il devient inciblable et il se lit de 30% max. Donc c'est pas mal d'avoir le positionnement que j'ai avec Poppy. Oh là là, mais Poppy! Poppy, c'est excitant hein, ce que tu proposes. Hein. Parce que là, du coup, toutes les unités ennemies focus Nico. Une fois que Nico est low HP, elle se cache. Poppy prend le relais. Poppy crève. Et Nico est en full HP, elle a pu stacker la Titan. Et Milou et Tintin, là, ils arrivent à faire des dégâts. Mais c'est marrant quand même que le mot excitant est très vite associé au sexe. Tu vois, quand je dis excitant, c'est que ça m'excite, quoi. Mais c'est pas forcément que j'ai le sexe debout, quoi. Mais je sais pas quoi utiliser comme terme. Et... Elle pas stack complètement, là. Voilà, vous avez vu, hein. Poppy prend le relais. Bon, par contre, cette Cassiopeia fait extrêmement mal. Hein. C'est pas prévu, ça. Aïe, 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 aïe. Par un overtime miraculeux. Ouais. Qu'est-ce que... Il a eu Archange.
C'est parce que tu utilises à l'anglaise, en français l'équivalent c'est plus enthousiasmant. C'est chiant de dire ça, non? Putain, mais qu'est-ce qu'elle est enthousiaste? Non, qu'est-ce qu'elle m'enthousiasme, cette Poppy? Je suis sûr que vous serez quand même capable de l'associer au sexe. Enthousiasme? Ça m'emballe? Mais oui, mais ça veut pas dire ce que j'ai envie de dire. Elle me transcende. Elle me fait grimper au rideau. Là, tu cherches la merde. Là, c'est bien pour moi. En fait, ça me donne Karma, qui est un invoqueur qui complète bien là le groupuscule que j'ai. Cela provoque en moi des émotions que je ne peux contrôler. Cette Poppy provoque en moi des émotions que je ne peux contrôler. Et c'est vrai que ça rend bien, ça dit comme ça. Oh, pas mal ce rôle de niveau 5. Ok, c'est pas mal aussi. Alors, 1, 2, 3, 4. Parce qu'elle est level 2, même si elle sert à rien, j'ai pas grand chose à rentrer. Après, on peut envisager un 4 invoqueur et du Demacia. Ouais, je vais faire ça. Je pense qu'on va ouvrir cette verticale là. Est-ce que c'est mieux que Karma du coup? Ça donnerait une rédemption à Galio. Ça donnerait G-Scale. Ça donnerait Poppy, elle a quoi déjà? Je sais plus ce qu'elle a, Gargoyle Protector Zwo. Vous vous rappelez ou pas? Il y a 4 invoqueurs aussi ici. Qu'est-ce qu'elle a, Poppy? Elle a Gargoyle, la Gargoyle Radiante. Ça a peut-être changé aussi. Je vais essayer. C'est le veau? Ah ouais. C'est un feu. Une queen. Okay, queen, ça fait un peu plus de dégâts par contre, ça me plaît. So unfair. Holy Grail. Est-ce qu'il y a une compo à jouer avec Demaciel avec mon setup? Slayer. Slayer. Poppy elle s'est épée. Nico elle s'est épée, vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Leap. Attendez, vous saviez ça? Leap. Ah ouais. Attends, mais elle dash. Mais attendez, j'ai jamais vu une Nico dash. Sérieux? Lecture diff? Mais là, c'est un truc qui m'énerve. Parce que je suis sûr que vous êtes en train de dire lecture diff, mais vous non plus, vous ne le saviez pas. Elle leap. C'est quoi leap? Petit saut? Non, vous saviez pas, arrêtez. Vous êtes d'une mauvaise foi, ça dégoûte. Mais là, elle veut leap ou pas? Mais pourquoi là, elle leap pas? Oh! Oh non, une spatule! Oh, une armure! Oh bah non, j'avais déjà une armure, c'est un peu con-con. Belle. Spat Chal, Spat Jug, Spat Noxus. Tout ça est à chier. On a une Titan, on a une Sunfire, on a un Asher Tooth. Que faire?
Est-ce que vous avez une idée, les génies du chat? Bon, c'est pas une game invoque. La Soulfire me plaît bien, parce qu'on est très tanky, mais j'ai pas envie de la mettre sur Nico. En même temps, j'ai la Titan qui s'ouvre en faisant ça. On va continuer à snowball. Et comment ça, elle leap? Allez, montrez-moi pourquoi elle leaperait, là. Mais l'autre, elle a leap! Mais c'est plein de surprises, en fait, ce jeu, hein. Allez, dis-moi que c'est une fire diff. Mets-toi dans ton bloc de glace. Elle était jeune dans ton bloc de glace. Allez, Poppy! Allez, Poppy! Caresse-moi ce Milou! Bam! Excellent! Alors, surtout pas. Ah! Allies heal for. Gain 2 X-Tal. Attends, mais 2 X-Tal. Ah, mais non, je vais voir Kiana. J'ai rien dit. Unified Resistance, c'est pas mal, mais pas avec le setup que j'ai. Too healthy. Non, bah, du coup, c'est forcément ça. Qu'est-ce que m'a donné le jeu? Spat Shurim, Spat Nyoni. Qu'est-ce que je fous avec ça, putain? Se fout de moi, hein. C'est une game mort de Kaiser. C'est une game mort de Kaiser, hein. Merde, putain, j'ai donné le truc à Poppy. On va faire Ginzo, mais je vois pas où ça me mène, Ginzo. Non, oh oui, va-t'en. Ok, ça en va. Danica, Danico. Ah, vas-y, j'ai vraiment une équipe de... Qu'est-ce qu'elle a, Quid? Mais tiens, elle a la jambe cassée ou quoi là? Comment elle se tient? Pourquoi elle est là d'ailleurs? Oh, on a gagné! Merveilleux! Oh, ça c'est pas mal! Oh, ça c'est pas mal! Vous voyez? Ici, en fait, j'ai volontairement pas mis de stuff sur Nico parce que il y a toujours une chance sur deux que l'item aille devant. Et vu que c'est mon meilleur tank actuellement, c'est très intéressant. Je suis en train de me remarquer que Milou a fait plus de dégâts que le reste. C'est quand même Poppy, en fait, si elle a son veau, c'est plus intéressant pour moi aussi. Ça sent la game, Fiora, Kai'Sa, tout ça. Fiora, Kai'Sa, tout ça. Moi je sais pas ce que je vais jouer. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une game du Kaiser. Quoi? Pourquoi Rex? Il a un Zephyr, pas au lait! Queen 2 et Zephyr, hein, c'est dégueulasse. C'est Ninja à Paris? C'est bien ça. Mais c'est vrai que je suis libre! Je suis libre! Chonzi est libre! Oh le joueur attentiste! J'ai regardé mon personnage avant, j'attendais qu'il attendait que le feu passe au vert pour lui. T'es mon petit Lalilalou! Dis donc, il est un peu long ce feu rouge! J'aurais dû mettre le stuff sur Milou, hein, c'est ma gueule. Est-ce qu'on fait quelque chose là? Gunblade Nashor tous. C'est bien ou pas? Peut-être une game Azir aussi. Est-ce qu'on garde la belt? De garder la belt. Je suis pas sûr que ce soit une game Chal. Hein. Si? D'un coup je passe Chal? Non.
pipou, 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 pipou. Tellement broken Jinx. Avec cette spade dans la compo, j'ai rien à faire. Hein. Parce que là, je vais probablement pas jouer de Juggernaut. Y'a que Chal, mais. Vu qu'il n'y a plus de spade Demacia non plus. Pas très bien Nico hein, quand même étonnamment. Mira elle est toute seule. Eh hey, Milou il bosse hein. Salut Jordi. C'est game Fiora, Kaïsa, tout ça, tout ça. Mais comment ça tout ça tout ça? Et je vois pas en fait pourquoi je calerais les deux. Pour moi c'est plus cohérent que ce soit Slayer. Parce que je vais avoir. Queen 2, ici j'ai un stuff de Mordekaiser, je peux toujours avoir une bonne frontline avec avec eux. La question maintenant c'est... ça peut être Azir aussi si j'arrive à évoluer ma compo. Un gant. Non non. Warmog. Compliqué cette game hein. J'ai plus à mettre tout seul elle. Compliqué. Là on va downscale très vite. Kayle aurait jamais dû avoir les octets. Oh le Warmog Atma. Incroyable, ça date tellement. Le problème c'est qu'en fait j'ai aucune paire. Le Queen est passé 2. J'ai pas forcément de direction, donc le rang il est pas excellent. Et j'ai pas de stuff pour jouer les cousins. Écoutez, je crois que c'est ma direction, hein. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Il y a Scoped Weapon. Comme ça on garde un... En fait Qiyana, ce que j'aime bien c'est que je peux avoir 4 Slayers et d'un coup... Ah mais non, je devrais enlever Milou. Sinon j'arrive ça. J'aime bien celle du centre là. Là il faudrait que je push. Sinon j'enlève Pipo et Mario. Je suis en 4 Demacia. Il y a Nila, j'ai vu. Oh le Milou Slayer. Merde. Ok, là on est quand même moins fort. Je pense que c'est normal qu'on perde des rounds ici. Il faut pas que j'oublie que j'ai la priorité au carreau. Hein. Donc s'il y a un Trox. Faut qu'on y aille. Oh merde, j'ai pas pris utilisé autre case. Ouais. Lila Scope Weapon Broken. J'ai utilisé, pardon. Alors attendez, je suis en Tilly Lalou. Est-ce que c'est mieux d'avoir 5 Demacia
Gutroy Ishtal. Avec Invoker. C'est mieux ça. Là, j'ai juste pas de radiant sur elle. Vraiment. Du coup, on a pas besoin de spat, non? Il y a que le Noxus qui peut être ok. Mais putain, Jar 22. Queen 3. Non, mais pas en lait, il dégoûte, hein. C'est quoi ce board? Non mais... Michael Jarvan. Et Fiora 2? Tu te fous de moi? Queen 3, Fiora 2, Jarvan 2? Ah si, c'est bon. On est en C6 là. Aatrox? Non. Mort 2? Non. Bon, je vais faire RFC. Hein. Non, en vrai, il a de la chatte. Hein. 50 PV, et d'avoir ce board là, c'est oméga illégal. Oméga illégal. Il n'y avait rien au carrousel d'intéressant. Poppy dégage. Ah ouais. Oh. Ok, là maintenant je veux bien. Ça change tout. Ça, ok. Bang, bang. Ah, mais si je bouge, j'ai rien à rentrer. A été Nemacia pour Queen. Bonjour monsieur. Musique suivante s'il vous plaît. Vous êtes sûr hein? C'est un gamble hein. Bon il était pas si fort que ça lui hein. Vous avez gagné. Mais comment il fait pour avoir Queen 3? Vraiment pas en l'air. Alors. Comment on organise tout ça? Comment je perds la partie? Est-ce qu'on bascule en 6 slayers selon vous? Qu'on a une plus 1 slayer? Et qui porte la spat slayer? J'ai tellement de questions le chat pour vous. J'espère qu'un jour vous aurez la réponse à tout. Oh. Donc il a deux gunblades sort de Kaida. Hein. Lilo, ah Lilo. Boum! Boum! Ah, putain, il est ralenti. 6 Slayer, 3 Demacia. Fiora, c'est. Mais j'aurais jamais de Jarvan et tout là. En vrai, j'en ai encore 7 en vie. Ok, je pense que c'est un top 8. Parce que ça, ça sert à rien. Ça. Pourquoi vous les trois démaciens? Fiora, Jarvan, Queen. La spat j'en fais rien, donc je peux la reforge. À moins qu'il y ait une faune ici. Spellcrit mort 2. Spellcrit mort 2 et puis bah j'ai rien à reforge. Oh, excitant. I am Vulcan. Attendez, parce que là, on a un problème. C'est que... Il faut faire ça.
Qui Mais si, putain, j'ai un truc là. Baguette, qu'est-ce qu'on peut avoir? Morello, Rabadon, Zap. Ok, je me suis fait plus vert. C'est quoi le raise? C'est un Freljord. Galio Slayer? What the fuck? Alors ça, ça doit dégager. Hopi doit dégager également. Et bon, il faut que j'ai d'abord des upgrades. Chaîne. Bon, il y a un poste pour poste ici. Atrox. Ah, yam! Wow, Darkin! Ah bah, Lyon. Il a pris! Mais j'ai mis. Place. Ah, yam! Mais attendez, mais je perds contre une Cassio avec Aatrox 2! C'est soit contre mon équipe est super nulle, soit que je suis super nul! J'ai gagné? Ok. Ah, mais j'ai deux Jarvan! Ah, bah ok, bah je comprends mieux. Et du coup, j'ai une spa de chaîne à la con là. Y'a qui à la place de chaîne ici? Vous mettriez qui? En vrai? Parce que GP il est weak, non? Un Sion? Pourquoi un Sion? Pour Bruiser avec Rek'Sai? Pas mal. Hein. Rek'Sai. Là j'ai père. Est-ce que j'ai d'autres 3 costes à trouver? Je crois pas hein. Donc, je pourrais juste Benico la Rek'Sai hein. Là, j'ai aucun 3 costes à chercher donc. Ok, j'ai la priorité hein. Ah, y'a rien qui me plaît. Si, y'a une Sejuani, Spellcrit. Y'a un Rise, y'a un Vo. Y'a pas un item. Pas du tout. C'est ridicule ce que j'ai pris, parce que c'est pas de porteur de Spellcrit, mais. Nafiri pour Dark Inchal. Oh, j'aime bien là aussi ce call. À 2 Jarvan 2 mort de 2, putain j'ai. Harry. Elle peut jouer ou pas elle avec Spellcrit? Shojin. Nafiri, mais. Oh, putain, j'enlève un 2 cost là. Le Slayer partirait sur Fiora. Enlever un chaîne 2, c'est dur hein. Y'a Sion, ok, ça joue bien. Ça, c'est bien. Du coup, elle prend le Radiant. Non, merde. Je vais le mettre sur Fiora. GP peut pas jouer. C'est Juani, j'ai Sion donc elle jouera pas. Perso, je trouvais le chaîne 2 pas si mal. Oui, mon cher Dominarum, mais c'est aussi pour ça que c'est moi qui joue. Non, bien sûr, c'est pas si mal. Je plaisante. Ok. On a quand même pas mal de paires, dont mon carry numéro 1. Qui est le Kaiser.
Oh non, pas Olé. Mais pour Olé, il a gagné la game aussi. Hein. C'est bon. Là. Une sous power spike du matin. J'ai plus envie de jouer. De ça. Je le trouve pas fun pour Olé. C'est rien, gros. Il est roll down, il a trouvé tous les champions. Donnez-moi mon top 3 et je me tire. Et personne ne me demande pourquoi je suis parti sans motif. D'ailleurs, je suis en train de pack ma compo pour un 5 Demacia du Huc, là. Ça va pas du tout. Hein. Mettre Fiora sur le Teco. Lui peut être là. Le stuff d'Atrox et Pitro Maximo. Eh oui, je me suis inspiré de toi, Badea. Faut arriver. Oh, viens, on tente un Reforge Atrox. Ok, ok, c'est la légende. Reforge Atrox. Alors attends, j'ai déjà une enclume. Ça, il aime bien. Allez, 1, 2. Piou! De Pitro Maximo à Pitrus Maximus. Ouais. Mais en fait, vous savez pourquoi il y a un zap sur Fiora? C'est parce que j'ai mélangé les items que j'ai temporairement à cause de la map avec les items que j'ai réellement. Donc là, c'est pour ça qu'il y avait le Warmog sur Atrox. Simple, 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 simple. Là, typiquement, je me dis, bon, c'est pour un round et ça se casse, mais en fait, c'était un vrai zap. Go FF! Je ne lui ferai pas ce plaisir de FF, je vous le dis. Un vrai bonhomme, je joue la game jusqu'à la fin. Even Shroud sur Atrox, c'était exceptionnel. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, le stun du Jarvan est cool. Le stun de son Jarvan, il est cool aussi. Et zap sur Adif. Et non. Il a touché Queen 3 en deux rôles. GG, pain au lait. On se reverra. On dirait les persos de Pokémon quand tu les bats. Quand tu le bats alors qu'il a un Rattata niveau 4, je reviendrai plus fort.